Depuis un an, Christophe de Chavannes échange avec des personnalités dans son podcast de Chavannes cherche copain. Dans son dernier numéro, l'animateur télé recevait François Hollande, mais très à l'aise avec son micro, il n'a pas hésité à le remettre en place. Ces dernières semaines, François Hollande fait beaucoup parler de lui, notamment parce que son livre Bouleversement est sorti dans les librairies il y a quelques mois. Depuis, l'ancien chef de l'État, qui s'est récemment confié sur sa retraite des plus confortables, se rend sur divers plateaux de télévision pour parler de son actualité et enchaîne les séances de dédicaces en France mais aussi à l'étranger. La semaine dernière, il était de passage à Londres pour signer son livre. Son épouse Julie Gayet avait également fait le déplacement. L'occasion pour le couple de flâner main dans la main dans les rues de la capitale anglaise. Vous êtes complètement assisté, sollicité de tous les côtés, François Hollande a fait un crochet par le domicile de Christophe de Chavannes pour échanger dans son podcast de Chavannes cherche copain. Les deux hommes ont abordé différents sujets, qu'ils soient politiques, militaires, historiques ou concernant le mandat de l'ancien chef de l'État. Après avoir parlé une quinzaine de minutes, le co-animateur de l'émission Quelle Époque remarque que son invité n'a pas l'air à l'aise. Vous ne voulez pas mieux vous installer? Je ne vous sens pas bien là. Vous avez trop de coussins. Une remarque que l'ex-président de la République ne comprend pas bien puisqu'il se sent bien, même si Christophe de Chavannes continue d'ajuster les coussins. Si est-il dingue, il faut tout vous faire. Vous êtes complètement assisté, balance-t-il à François Hollande. François Hollande ne se laisse pas faire interpeller par cette remarque, il le remet en place, ne laissez pas penser pas que je suis déjà âgé. Vous n'êtes pas une personne dépendante, assure l'ancien présentateur de la roue de la fortune. Mais François Hollande, qui visiblement finit par enfin trouver sa place chez Christophe de Chavannes, balance que les conditions d'enregistrement du podcast ne sont pas les meilleures. Votre installation n'est pas parfaite, fait-il savoir. Sympa. Heureusement que les deux hommes s'entendent quand même très bien. À lire aussi, François Hollande cache, il donne le montant de la retraite d'ancien président qu'il touche.